Yo tout le monde, c'est Jerem Jim, j'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait plaisir. Là, on a dépassé les 800 abonnés, un truc énorme. J'aurais jamais pensé à un truc pareil, mais c'est bien, ça plaît, ça plaît. Du coup, épisode 6 du Royaume perdu. Puis en même temps, bah, l'occasion de vous souhaiter de bonnes fêtes parce que je suis pas sûr de publier de vidéo d'ici quelques jours. Enfin, j'en publie une fois ou deux par semaine seulement, ça vous allez dire, mais bon voilà. Tant que cette vidéo sort, on sera le 24, donc ça tombe juste bien. Bonne fête et bon Noël à tous, en espérant que vous soyez gâtés de cartes Google Play, surtout pour certains qui n'attendent que ça. Moi, j'ai déjà été pas mal gâté, mais bon, c'est sûr, il manque des petites choses, mais bon, ça viendra avec le temps. Avec mon grade, je commence à être assez gâté en gemmes, en récompenses. On verra bien, hein. Ça viendra quand ça viendra. Et il y a pire, on va dire. Alors, du coup, avant d'y aller, regardons où on en est pour les écussons. Voilà où j'en suis avec le Duc Citrouille. Il ne manque pas grand-chose avant que je puisse passer au niveau 2 ici. Ce qui manque surtout, c'est des cristaux rouges qu'on va sûrement avoir en faisant le royaume. Le druide en est là avec son sprint. Dieu du tonnerre à niveau 51. Et en 2 en garde enflammée, c'est ça, on voit 11% des dégâts à tous les coups. Le Minotaure, hop, qu'on va augmenter un petit peu, ouf, un poil de 80. Le Minotaure commence à faire très mal, on est en expédition, je vous ferai des petites vidéos. Oh, ça met un vrai bouillon. Et. Ah, du coup, ça l'a quand même rajouté au final 28 000 de vie. Et 2000 là en attaque, c'est pas négligeable. L'autre côté, le champion, 21 000 de vie en plus. Ah bah voilà, hop, il va passer 71. On perd pas de mana. Et derrière, bah, je crois que c'était tout. Je vous ai présenté les héros qui sont en royaume perdu. Voilà. Pour le mana, bah, du coup, j'ai plus grand chose. Mais ces derniers temps, j'ai lancé le niveau 18 de la base ici. Pareil de celle-là. Et deux mines d'or aussi qui vont passer au niveau 18 ici. Donc j'ai utilisé beaucoup de mana. Maintenant je peux l'utiliser pour les gravures. Voilà. Hop. En passant, on va dépenser 50 gemmes pour s'augmenter des. Augmenter des pas. Voilà. Former une équipe. Par contre, j'ai quelle équipe? Non, ça c'est pour les Messa. Et il y a ça. Voilà. En espérant avoir lui, en essayant de battre les plus forts maintenant. Mais ça passe plutôt bien. Je sais pas ce que ça va donner que la formation avec le dragon, Minotaure, mage et tout, parce qu'il y a très longtemps que je l'ai pas recroisé. Mais bon, maintenant, je rencontre plus trop d'obstacles. Ça passe plutôt bien. Voilà, clé bronze. Ah, aussi, peut-être que je mettrai. Oh, niveau 13, ça y est. Un coffre en plus. Et une zone de cristaux en plus. Voilà, ça commence à faire une grande map, l'air de rien. On va aller voir ça, attaquer 9. Oui, donc j'allais dire, peut-être mettre le screenshot. J'ai eu une clé en or. Et ça m'a donné. Oh, je crois que j'en ai parlé dans la dernière vidéo. J'ai eu Dieu de la guerre dans un coffre en écusson, c'était pas mal. Première fois que je le croise. Mais bon, avant d'en avoir 4 autres, du niveau adéquat, ça prend du temps. Hop, allez, on cherche le plus balèze là à chaque fois. Non, il n'y a pas la grosse formation là, ce serait sympa. Mais oui, c'est vrai que d'autres me conseillaient surtout Immortep. C'est vrai qu'Immortep au moins cause coma à tout le monde et met des dégâts pendant plusieurs secondes. Mais bon, comme je vous ai dit, moi sur Immortep j'ai le bonus d'XP à 4 sur. 4 sur 5, donc en fait il a pas revitalisé, donc sa magie n'est pas en partie chargée et ça m'arrange pas. C'est surtout ça qui donne l'avantage, je pense, à ce niveau-là. Hop, voilà, au moins ils enchaînent les comas. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre qui envoie ses haches. Voilà, ça passe plutôt bien. Donc là, il n'y a plus de chance. Hop, on monte, tant pis. Au moins, on va avancer d'un coup. Voilà, bon, ça va, c'est pas trop dur. Oui,
aussi je voulais parler, tant qu'à faire, des messages qu'on fait entre la guide. Moi, je parle pour les personnes qui en font partie. On peut pas toujours être là pour vous. C'est vrai que tout le monde voudrait bien venir avec Studi, moi et voir Tsuki aussi et Stark. Bon, on est un peu, je pense, les plus puissants de la guilde, mais on est beaucoup dans la guilde. On peut pas en faire avec tout le monde, surtout qu'en ce moment le Mesa 3 y passe, donc je ferai des vidéos aussi dessus. Bah voilà, ce genre de formation me mettait à la misère avant, mais maintenant ça passe bien. Le Mesa 3 y passe, mais pour ça on a besoin d'être entre les plus forts. On a besoin d'être 4 ducs, on a besoin des bons ducs de haut niveau. Minimum 7 sur 9, hein, je pense, en pouvoir. Donc vous pouvez pas tout le temps venir, hein, si vous faut essayer de se débrouiller avec d'autres personnes qui ont des ducs un peu moins puissants. Ou alors en faire aléatoirement. C'est plus simple, comme ça vous gaspillez pas d'épée. Et voilà quoi, c'est vrai qu'on peut pas satisfaire tout le monde. Surtout qu'on va tester le 4 bientôt. Donc il faut vraiment des troupes bien spécifiques. Pour un bien, il faut deux Orcsban et un ou deux mages. Et puis bah là, les 4 ducs indispensables. Donc c'est pas à la portée de tout le monde. Ça paraît peut-être injuste, mais en même temps, nous, il y a bien longtemps qu'on joue. Moi, ça va presque faire un an que je me tue à améliorer mes héros. Donc c'est tout, on fait avec. Ah oui, ça, j'allais dire, il n'y en a pas, mais si. Donc voilà, c'est pour ça, bah, nous, il y a longtemps qu'on joue, donc je trouve que c'est normal qu'on fasse ça entre nous. C'est la vie, hein. En même temps, je sais pas depuis combien de temps vous jouez, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, si on vous vire, ne le prenez pas mal. Quand on fait des Mesa 2, on essaye de changer systématiquement le troisième joueur, enfin le quatrième. Mais des fois, c'est pas évident, hein. Des fois, c'est long. Des fois, il y en a qui sautent tout de suite sur l'occasion et c'est eux qui vont dessus. Sinon, on attend trop longtemps et c'est la misère. Ah bah, c'est bien, c'est que des bonnes formations. Moi, je garde pas mal de cristaux rouges. J'en aurais besoin pour fusionner un pouvoir. Bon, vous voyez, hein, il n'y a pas de problème, ça passe tout seul. Trois personnes qui mettent le coma, Dieu du tonnerre, le Minotaure et le champion. Rah, je tombe pas sur la grosse formation, il n'y a pas moyen. Rah, je tombe que sur des petites là. Bon, dommage, j'aurais bien aimé vous montrer ce que ça donne. Oh, je me suis pris un coma direct avec lui. Ouais, voilà, c'est parti. J'aurais bien voulu tester avec vous ce que ça donne avec le Minotaur. Parce que Tsuki a réussi. Stark, je sais pas s'il y arrive, il nous a pas dit, mais Tsuki y arrive, donc j'aimerais bien tester, me dire moi aussi j'y arrive. Par contre là, le temps que je me déplace, j'aurais plus de chance. Oh. Ouais, bah finalement c'est passé vite quand même, on est déjà à 706 en expérience sur 11 000. Par contre, ça va prendre du temps. J'ai pas un pas qui peut me faire moins déplacer. Non, c'est tout le temps 5. Tant pis, on va aller là. On verra bien, ça tombe, c'est un 9. Oh là, bah c'est un 9. C'est juste bien. Voilà, bon, en tout cas, merci de votre aide pour avoir proposé les différentes formations là, au fur et à mesure. J'ai reçu pas mal d'idées que j'ai testées. Des fois, pas spécialement convaincu, mais moi, c'est celle-là qui marche. Hein. C'est vrai qu'après, les gravures, c'est important aussi. Ça donne vraiment beaucoup de vie et d'XP et d'attaque surtout, je voulais dire. Voilà, ici, bouger, combattre, bah, pourquoi pas. Tout à l'heure, j'ai occupé celle-là. Je l'occupe, bah, je vous l'ai mis en bonus. Et ici, on va essayer aussi cette terre et sous protection. Je peux pas. Donc, hop, voilà. Récompense, 200 cristaux rouges. Ça fait plaisir. De l'autre côté, ouais, là je suis en train de faire des ornithoptères. Bon, d'habitude j'attaque pas avec des troupes. Mais pour les donjons, là je sais pas, ouais, je vais peut-être faire des vidéos, mais pour l'instant j'ai pas encore beaucoup filmé dessus. J'ai fini le 4, mais je l'ai pas eu à 100%. Il manquait pas grand-chose. Donc je pense qu'avec des troupes pour détruire les tours, ce sera pas mal. Là, juste pour jeter un oeil, ce que ça va donner. Oh, bah, ça va donner très très coloré avec des tours activées au niveau 3. Pouf.
Bah, l'air de rien, ça commence à être bien costaud. Bon, on gagne quand même pas mal de ressources, entre guillemets, mais surtout les insignes d'honneur, si on y va à chaque fois, c'est pas mal. Ah oui, au passage, je remonte un petit peu en arène. Hop, 156. Ah, vivesse. Dommage, je crois que lui, j'arrivais à le battre, mais tout à l'heure, il était pas là. J'ai perdu, je me suis fait les dents là, sur T-Fight et Nico. Pas moyen. Le top 100 peut-être un jour, mais ça attendra un petit peu. Donc, écusson. Attends, attends, attends. On va d'abord faire ça. Mana, on va l'utiliser. On va vendre ça, alors, on s'en fout. On s'en fout aussi. Voilà. Donc c'était lequel qu'il me fallait, celui-là. Donc en lui retirant écusson. Hop, on va le retirer. On va fusionner ça. Bim, niveau 2. Et voilà. Ça rajoute un peu plus de vie. Et d'attaque, un poil, mais surtout de la vie. C'est ce qu'il faut comme il est en première ligne. Par contre, au niveau des chances d'annuler l'attaque, seulement 6%. C'est pas violent. Mais bon. Je préfère. Je sais pas, les gardes enflammés sur la limite. Ouais, non. Je sais pas exactement si c'est mieux de lui donner garde enflammée ou pas, parce que dans tous les cas, il se prend quand même tout le temps les dégâts. Pour l'instant, ça marche bien comme ça. On va laisser. Lui, sprint niveau 2, ce serait pas vilain aussi, si possible, mais. Bon, lui, il a un peu de tout, mais. J'avais plus de place dans l'entrepôt, donc. Rempart, ben, ça c'est bien beau, mais. Il n'y en a qu'un. Sprint, je commence à en avoir d'autres. Frappe létale, je commence à en avoir pas mal. À la limite, je peux en fusionner un, je crois, mais. Bon, c'est pas suffisamment pour activer un pouvoir. Donc ça sert à rien. Ben voilà, ouais, je pense que pour cet épisode, ce sera pas mal. Allons faire un tour chez quelqu'un qui a le Père Noël dans l'équipe là. Bah, y a Stark forcément. Stark il a un petit peu tout à chaque fois dès que ça sort. C'est le premier qui me vient à l'esprit. Bon, allons voir Tech par exemple. Et s'il n'y a pas Tech, on va voir Stark. Allez, il est où lui? Stark. Le Père Noël. Apparemment, il dit qu'il met un petit peu le bouillon avec. Bon, perso, je l'ai jamais vu à l'œuvre. Je l'ai déjà tué une fois dans une attaque en attaquant quelqu'un, mais c'est tout. Il commence à avoir ses casernes niveau 18. Ça augmente. Par contre, ouais. Son bâtiment de guilde n'est pas encore niveau 18. Voilà. Bon, en gros, on reconnaît les bâtiments niveau 18 quand ça devient en or quasiment. Vous voyez là, ça fait recouvert d'or. Bon, là, la mine, elle est bien plus grosse. Les coffres, bah, ça se voit direct. Les coffres à mana aussi sont bien plus gros et en or. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît les niveaux 18. Après, on voit plus spécialement la différence. Sauf pour ça, je crois qu'il n'y a rien. Non. Aucune différence. Bon, ben voilà, pour cet épisode, ce sera déjà pas mal. Et bonne fête à tous. Ciao!